Bonjour à tous, mesdames et messieurs. On est de retour sur cet endroit magnifique qui est Destiny 2. Je vais enlever l'aperçu du d'OBS parce que fuck. Je crois que c'est à peu près ça qui fait laguer pas mal. Hein. Ça a l'air d'être plus fluide depuis. Bref, on a enfin terminé cette quête qui s'appelle Parvenir à ses fins. Maintenant, il nous demande de faire la mission interférence tout comme Croissance. Finalement, ça va. Finalement, ça va. Ça, bon, c'est de la merde. C'est de la merde, on l'aura jamais. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Avant de faire ça, il faut quand même se dire, je suis désolé, je vais me plaindre. Parce que quand même, putain, le nombre d'heures que j'ai passées pour pouvoir réussir cette quête uniquement dans le comment on appelle ça, le protocole d'intensification de Mars, avant de se rendre compte qu'en fait... Il faut, enfin, la quasi-totalité des points sont donnés si tu gagnes dans des très hauts niveaux et très rapidement. Donc, en gros, si t'as personne avec qui faire le protocole d'intensification, bah, c'est de la merde. Hein. Donc, il vaut mieux retourner en orbite, puis revenir sur la map, histoire d'avoir un serveur qui serait peut-être un peu plus intéressant, où il y a des gens qui ont envie de faire les trucs. Mais si tu fais que des niveaux 1, c'est de la merde. Voilà, autant vous le dire. Bref, on est parti pour cette interférence. J'espère que c'est pas exactement la même mission que celle que j'ai fait avant, parce que sinon ça va être un peu chiant. J'avais fait que l'enregistrement est parfait. Ok, c'est bien. Hop! Est-ce que je peux désactiver l'aperçu d'ailleurs, tiens? Hop, bah voilà, parfait. Et là, du coup, je vais pouvoir voir si l'enregistrement tient. C'est beau. Donc. C'est vraiment dommage que l'aperçu se fuck de pas. Alors. L'influence de Savatoun sur le berceau croît. Reprenez l'arbre d'ailes argentées. Eh bah écoutez, c'est parti. Ok, je voulais être sûr d'un truc parce que des fois j'ai l'impression que ma voix est un peu plus élevée que le jeu. Enfin, est moins élevée que le jeu. Et dans ce cas-là, c'est un peu de la merde, hein, je vous ai assuré, parce que le jeu, il y a du bruit, il fait du bruit tout le temps. Après, je devrais être sûr, je devrais mettre de la réduction de bruit quand je parle. Je sais pas si c'est possible sur OBS. Faut que je le fasse, je le mette en place. Donc, le Bersal. Alors, c'est parti. Ah oui, en effet! Ah ouais! Ah, c'est pas la même mission! Ah, ah, il y a de la lumière. Alors, c'est un peu les mêmes setups de mobs, mais c'est pas la même mission quand même. Hein. L'arbre, il est... Ouais. On sent que ça lui a pas fait du bien, hein, messieurs, dames. Putain, ça... On sent qu'on lui a bien tiré les branches hein, quand il était petit. Là, le pot, il y a tout qui part, là. Ça me rappelle quand on m'avait dit... quand j'étais à l'école primaire... tire pas les cheveux d'un arbre, c'est comme si tout on tirait des cheveux. Et en fait, j'ai mis 5 ans à me dire, en fait, c'est pas vrai. Parce que les arbres ressentent pas la douleur. Et après, j'ai mis re 5 ans à me dire, ah, mais en fait, si c'est vrai, parce que c'est pas que les arbres ressentent pas la douleur, c'est qu'on sait pas comment fonctionne son système nerveux. Mais y a rien qui nous dit qu'ils peuvent pas les sentir, pas ne pas la sentir. Pensez-vous donc au massacre de masse qu'on a fait en décapitant des centaines d'arbres? Bien sûr. Non. Hop. Allez, vite. Putain, c'est chaud en vrai. Hein. Oh, je fais n'importe quoi. Il va me taper. On va faire un combat d'armes à nu. À main nue. Combat à main nue. Mais j'ai un coup de grâce. Ah là là, les combats en top lane avec Garen qui a un exécute, c'est pas de chance. Hein. Ou un Shogat. Tu vois pourquoi? Avec Garen, je me rappelle jamais qu'il y a son putain de R. Avec Shogat, je me rappelle tout le temps. Et j'ai l'impression que c'est l'inverse pour mes adversaires. Après, peut-être parce que je joue beaucoup plus Shoggoth. Mais plus je joue Shogat, et plus je me rends compte que personne ne connaît. Le fait que si t'as 400 HP d'avance sur Shogat, bah c'est. Tu es derrière. Hein. Je ferais mieux de te barrer. Hop.
Quand je vois des grossières erreurs comme ça. Après, on parle de LoL sur Destiny 2. J'ai envie de dire, c'est parfait. Là, les gens sont... Les gens, vraiment, ils ont ce qu'ils demandaient. Hein. On parle de LoL pendant qu'on fait des dégâts, des vidéos sur Destiny 2. Mais laissez-moi tranquille. Pas d'autographe en ce moment. Non, mais on est où, là? Mais oh! Moi, c'est moi qui veux faire de la mêlée. Ah bah, tu vois, par exemple, lui, grosse flemme. Par exemple. Je suis pas le seul. Ah, il est mort en plus. Et pas qu'un peu. Par contre, j'ai trouvé un truc, messieurs, dames. Je vais vous le montrer là juste après. Dès qu'on a terminé de taper ces gens là. Parce que. Oh putain, il y a lui aussi. Excuse-moi. Ah, il pète les couilles. Ça va, mon bro hein. Ça va, les non-dégâts que je te mets quand même, sac à PV de ces morts là. Oh, si à un moment je tape contre le. Contre les pics. Wesh. Arrête de me péter les couilles. Merci. Ok. Ah! Ah, c'est pas le même endroit, hein. Bref, alors, regardez-moi, messieurs, dames. Je dispose d'un casque différent d'avant, puisqu'en fait, j'ai récupéré le casque péché de Nézarek. Et en fait, regardez comment il va bien avec l'armure, sa race. C'est incroyable. En plus, je lui ai mis le revêtement bronze huilé. Et là, honnêtement, c'est exactement la même couleur que les épaules. C'est incroyable. C'est bluffant. Alors après, bon, je pense que je suis pas... c'est pas le... Le deck, c'est pas le set d'armes le plus optique, notamment parce que lui il commence à se faire vieux en termes de puissance. Mais on a pas mal de trucs aussi. Juste que ça synergise le mieux avec le reste. Et que j'ai pas envie de dépenser encore un truc. On est à 1001, à 1021, allez. À 1021 je passe. Je vais encore attendre un peu. Parce que là pour l'instant ça va toujours faire des dégâts, regardez. Enfin, après je dis ça... Je dis ça, je le fais sur un boss quand même. Mais... On s'emmerde un peu. Allez, viens là. Allez, viens là. Ah, j'ai loupé. Hop, j'ai toujours le même problème. Hein, de penser que je change de tomber d'ordre. Alors, attendez. C'est parti pour le... C'est parti pour le duel. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait n'importe quoi. Ok. J'espère que c'était pas elle, t'as rien décorrompu. Ah, génial. Ma partie préférée dans les assauts corrompus. Vas-y, pousse. Hop. Sa mère. Ah, j'avais pas vu qu'il était en haut. Ça va, j'ai pas eu le temps. Il a pas eu le temps de me taper. Non, mais ils font... Oh là 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 là. Oh, c'est chiant. Ah, un ogre. Yes. Oh, ils sont chiants. Ils sont chiants, dis donc, ceux-là. Et pour qu'un peu, hein. Allez, cassez-vous. Je devrais prendre l'exotique. Parce que j'ai pas d'exotique, là, en fait. Allez, c'est parti. Attendez, vite fait. Autant prendre l'exotique, en fait. Bah oui, j'ai pas d'exotique. Quel nul. Ok. On va essayer de péter pas mal de gens. Allez. Allez. Viens là maintenant. Daf. Parfait. Putain, mais l'autre qui crie pendant qu'il meurt là, sérieux. Je crois qu'il y avait un ennemi encore à gauche. Ok. Bon. De quoi on parle maintenant? Parce que bon, c'est marrant tout ça, c'est tout scénario, mais... Tac. Ah oui, les factions en Destiny 2, c'est quand même un truc incroyable. Je vais vous le cacher. Il y a aucune merde, en fait. Que des masterclass. Les déchus, masterclass. La ruche, masterclass. Les cabales, c'est des tchads. Aujourd'hui, on prend ta lumière.
Hop. Les Vex. Super ordinateur. Super nerd. Nerd Terminator. Nerd Minator. Ah, vous l'avez tenté de venir celui-là. Allez, envoyez le Savatoon, vas-y. Moi, je vais t'envoyer ça. Merde. Bon, normalement, ça va arriver sur ta gueule. 2 secondes. Voilà. Alors ça, par contre, c'est vraiment, ça, c'est vraiment pas nice. Excusez-moi, est-ce que tu peux te faire coup de grâce? Oui. C'est parfait. J'avais vraiment la flemme. Hop. Regarde-moi cette ruche. Incroyable, bordel. Les acolytes, les esclaves maudits. Les ogres. Yo yo yo. Ça va, Brosa? Vous êtes 12 000, non? Voilà. Je vais tirer entre les jambes. Ok, parfait. Non, ce chargeur est incroyable, hein, par contre. Hein. Je pense que ce qui fait la matière exotique de cette arme, c'est le chargeur. Je vais pas vous le cacher. Parce que 21 charges! 21 balles! Vas-y, un deuxième, et puis après, on canarde. Parce que je lui ai mis, wesh! Eh oui, voilà, il est terminé, lui. Ah, par contre. Salut, mon bon. Putain, je le one-shot pas avec une attaque de mêlée, tiens. Allez. Je vais me prendre ça, moi. Et de plein fouet. C'est pas ce que je voulais faire. Hop. Hop. Putain, elle s'est décalée à ce moment-là. J'y crois pas. Mais j'y crois. Allez, vas-y, nique ta race. Quoi? Il a réouvert les yeux. Au secours! Allez, venez là, cassez-vous. Je vais pas vous voir. Il y en a reste une. C'est bon. Tu me pètes les couilles. Parfait. Ça fait 1000, 2000 par. Oh, je t'en remets. Je vais t'enculer. Attendez. T'es pas sérieux? Oh là là, putain, encore un freeze. Fuck ma vie, fuck, c'est envoyé de Savatoon. Il faut que j'utilise un super, j'en ai pas. Yes. On est pas dans la merde. Allez, vite, il faut que je nézarek tout ça, histoire d'avoir la grenade au moins. Ok. C'est parti pour le. Tu veux venir, mon bro? Ah! Alors ça, c'est pas très tchad. Quoi? Oh, casse les couilles. Voilà, allez. Tu vas prendre ça et puis tu vas réfléchir à ce que t'as fait. Oh, sa mère. C'était pas ce que je voulais faire. Quoi? Putain, mais j'avais oublié. Après, normalement... Ah, mais non, mais on n'a pas de... Ah. Ah oui, ils veulent vraiment pas qu'on la ferme, en fait, cette mission. J'avais pas vu, mais on n'a pas de réapparition limitée. Donc là, si je meurs, je réponds pas à côté, en fait. Et il s'est rien passé. Alors, bon, on va attendre tranquillement. Hein. Hop. Il a cru tout seul, hein. C'est ça. Parfait. Vite. Non. On m'a one shot. On m'a résurrecté instantanément. J'espère que ça serait pas comme ça quand... dans la bataille. Mais bon, bref. Putain, il a eu le temps de balancer toutes ces merdes. Ah oui, donc il est toujours. Ouais. Iris, y'a un problème? Y'en a même bleu. Y'en a même deux. Y'en a même bleu. C'est intéressant. Cette formulation s'adresse à quelqu'un d'égal. Le message est cadeau. Une chose offerte par une main tendue.
Bah non, du coup, c'est une main. Elle est offerte à une main tendue, mais je sais pas. Ça jamais. Ah! Bonjour, ça va là. Magnifique. Commandant, que nous vaut le plaisir? J'ai lu vos rapports. Les messages des ténèbres sont. Enjoués? J'allais dire obtus. Venez voir le dernier. Ah. De quoi s'agit-il? D'un cadeau. Ce n'est pas ce dont nous avions convenu. Je ne me souviens pas d'un quelconque accord. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce tatouage de merde qu'il a sur le goût? Vous jouez un jeu dangereux. Heureusement que vous êtes une femme dangereuse. Heureusement que vous êtes une femme, c'est genre. J'ai cru que c'était ça. Nous savons ce que pense notre ami. Dites-moi. Et si l'objectif des pyramides était d'exploiter notre curiosité? Nous retournerons leur cadeau contre elle. Et s'il s'avère trop encombrant? Alors il sera remis à l'avant-garde pour être confiné. Et qu'en est-il de la ruche? Savatoun ne nous affrontera pas directement. Ce n'est pas son genre. Elle se croit bien trop supérieure. Et méprise trop les autres. Merci. J'attends votre rapport avec impatience. Ceux du vagabond sont incomplets. On dirait une pièce de théâtre. C'est incroyable, hein. J'ai vraiment cru que c'était une pièce de théâtre. Bah écoutez, j'espère que ce cadeau ne sera pas une quête à faire. C'est une quête à faire. T'as autre chose à dire, Harris? Ce mot désigne le moment avant un changement, le passage, le seuil. Mais c'est une répétition. Je crois qu'on a déjà vu ça. C'est déjà produit. Ouais. Une erreur dont on ne peut rien apprendre. La chute. Bah écoutez, je vais prendre de l'eau et puis je vais remettre, je vais faire reboucler le dialogue. Hein. Ah merde, non, c'est au moment. Cette construction est comme du blanc, pas la couleur, mais l'absence de couleur. Un vide confus, la similitude d'une chose morte depuis longtemps. C'était un truc. De l'os décoloré, celui du voyageur. Putain, c'est incroyable. RTX voice trop fort. Ok. T'as autre chose à dire? Voilà un message simple. Coquille d'œuf. Le terme traduit la fugacité et la fragilité attendue. Les ténèbres voient le voyageur comme une chose qui nous isole du monde extérieur. Tu rends. C'est une barrière que nous devons dépasser et franchir. Stéréo, stéréo. Ok. Bah, merci Iris. Oh, regarde cette ombre, j'avais pas vu. Oh là là. Ces ombres de qualité incroyable. C'est parti pour prendre la photo. Bon, alors c'est quoi la quête? Aïe aïe aïe. Alors donc, récupérer des fragments de lumière calcifiés sur Io, Titan, Mars et Mercure à l'aide du navigateur. Éliminer les marionnettes de Savatoun sur Io et Titan. Iris pense que les pyramides offrent un présent sous une forme que nous ne pouvons comprendre dans de l'arlement. Que nous pouvons comprendre. Mais la branche déborde de ténèbres instables. Très bien. Par contre, il me semble qu'il faut que je remonte aussi à la tour. Parce qu'il y a du bordel. Ah, il y en a pas mal du bordel. Bon, j'ai le cryptarque déjà. On va faire des trucs à la tour et puis après on va faire des trucs. Alors par contre, du coup, on a vu toutes les maps. Les maps différentes sur lesquelles on peut aller. La question c'est. Alors déjà, j'ai eu quoi? J'ai eu ça, j'ai eu camouflage aéro. La question ça va être est-ce que toutes les planètes sont pourvues de ce qu'on peut appeler dans le jargon le même nombre de merdiers? Parce que
D'accord qu'il y a Mercure dans l'eau et que si Mercure est plus petit, ça veut et qu'il y a le même nombre de choses, même nombre de cauchemars, de marionnettes, de Savatoon, tout ça, ça veut dire que ce serait donc plus worth d'aller sur Mercure parce que c'est plus facile à trouver. Je devrais pas faire ça d'ailleurs. Normalement j'ai autant de... Ouais ça va, j'ai toujours une place. 1015 c'est pas assez hein, malheureusement. On est déjà sur du 1017 nous. Que va nous donner cet engramme puissant du cri de Tarks? Que puis-je faire pour vous, arcaniste? 1018 et 1018, c'est pas mal. Ok. Nous vivons une époque dangereuse, gardien. Allez, on va courir jusque là-bas. Honnêtement, oui, il n'y a aucune erreur en termes de tout ce qui est différentes factions de Destiny. Je trouve que celle qui est le moins profonde, entre guillemets, c'est peut-être les déchus. Mais les déchus, ils sont quand même censés être une sorte de miroir de l'être humain, mais avec vraiment tout le côté animal de ouf. Et bah, une gueule qui fait que nous, on les déteste, quoi, forcément. Et sachant qu'ils nous testent aussi. Donc voilà, finalement... Finalement, ils sont pas si différents de nous. Ils sont peut-être légèrement plus cons, quoi. Mais de toute façon, en plus, ils ont leur propre langage. On dirait un peu les Grignir de Warframe. C'est que je sais pas lequel des deux est arrivé en premier, donc je sais pas qui a plagié qui. Alors, je décrète. Yes! 1021, bah c'est parfait. On commence enfin à avoir du 1021. J'en ai encore plein, j'en ai encore 3, c'est parfait. Hop. Je sais qu'il m'en manque 2, donc à chaque fois je. Bon, je le fais deux par deux. Oui. Sa mère, ça c'est le fidé automatique. Allez, nique ta race. Nique ta race. On a toujours les mêmes armes, ça me pète les couilles. Alors quoi, il nous manque celui-là. C'est ce refus catégorique. Le fusil d'impulsion. Il nous manque cette arme. Position de guillotine actionnée et refus catégorique requise. Ah! C'est pour ça. Guillotine actionnée et refus catégorique. Je suppose que c'est les... Non? Ça a pas l'air d'être ça. Bon, ça c'est déjà bien. Guillotine actionnée et refus catégorique. Guillotine actionnée et refus catégorique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Est-ce que c'est d'autres armes? Optatif, incroyable, stylé par contre. Bref. Non. Normalement j'ai tout ça, mais... Bah... Ok, très bien, très bien. Il y a pas mal de trucs, hein, dis donc. Il y a moyen d'avoir des armes nouvelles après. De guillotine actionnée et refus catégorique. C'est quoi cette merde? Ah, d'accord, ok, attendez. C'est les noms des derniers armes. Ok, bah j'ai rien dit. Il faudrait que je regarde mieux, hein, bordel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'il faut que je les possède pour les débloquer? C'est quoi cette merde? Bon, va. Bah. C'est-à-dire que je peux pas les débloquer dans le pack si je les ai pas débloqués avant. Mais comment je les débloque avant? Parce que c'est comme ça qu'on peut les débloquer. Bon, bref, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Écoutez, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir tenter les trucs. Alors, on va essayer de voir s'il y a bien des. Tac, c'est bon. On va voir s'il y a bien des cauchemars. Non, c'est pas des cauchemars, c'est des marionnettes de Savatoon. Ah, c'est sur Yo et Titan. Ah! Donc il vaut mieux être sur Yo ou sur Titan. Bah, on va aller sur Titan un peu quand même en vrai, hein. Ça fait longtemps. Hein. Les chants ça va tout forcément. Allez! Allons-y! Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mine de rien, là, tout de suite?
Que bon, ça, tout ça, tous ces fragments de cartes, ça me pète les couilles. Les corps, ça, bon, ça à la limite, ça peut aller. Faut mettre attention des sauces. Ah. Ah oui, d'accord, oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai arrêté. Ok. Donc. Donc, Sean, elle n'a rien à dire, hein. De toute façon, là. Voilà, j'ai plus ces contrats-là hebdomadaires, je suppose. Enfin, de la semaine. Et ça, j'ai la flemme. Très bien. Ok. Donc, on est de part, du coup. Plus, on a une aventure épique, là. Est-ce que je la fais? Je sais pas si ça va me permettre de. Tuer les trucs. Par contre, ça, c'est. Je comprends pas ce que c'est. Y a des gens là, vite fait. Là. On est d'accord que c'est juste en terminant des activités, on est d'accord. Je sais même plus. Allez, du navigateur. Mais c'est cool le navigateur, sa race. Navigateur. Je pense que le navigateur, c'est ce que je viens d'avoir. C'est con sinon. C'est autre chose, ça. Ouais, on est d'accord qu'il n'y a aucune. Il y a aucune arme qui s'appelle comme ça. Bref, on s'en fout. On va tenter ça. On va tenter ça. Je me sens bien là. Je me sens d'une envie à refaire un contact. Vite fait. De toute façon, on est à 26 minutes, vous savez, bon, c'est bientôt l'heure de. Ah ouais, comme je dis, peut-être que c'est parce que je suis pas un titan que je peux pas débloquer ça. Ça trouverait source. Par contre, pour le fusil impulsion, j'ai aucune idée. Parce qu'il y a des épées, notamment celle de la campagne, que tu peux pas avoir avec les autres classes. T'as une épée par classe, et à chaque fois que tu termines la campagne avec genre les arcanistes par exemple, t'as toujours la même épée. Et t'auras jamais les deux autres. Tant que tu changes pas de classe et que tu fais pas la campagne avec les autres. Ce que personne ne fait. Hein. Merde, il tombe des nus. Ouais, ils sont beaucoup, dis donc, sa mère. Ah, mais j'ai que deux. Putain, je confonds avec Firabra. Oh, bonjour, mesdames. Ah, mais à chaque fois, je me fais avoir par ça. Je comprends pas pourquoi ça me fait autant de dégâts. Aucun sens. Et ça n'a aucun sens de repop ici d'ailleurs. Hop. Ah. C'est bon. C'est pas bon. Si c'est bon. Allez. Enfin, le problème c'est que je suis un peu tout seul sa mère. Hein. Je vais pas vous le cacher. Ah non, on est deux. On est trois. Ça va. Mais pourquoi il va aussi vite, wesh? Meurs. Yo. Tu veux pas que je te ranime? Merde, faut que je porte la fleur. Ils l'ont pris, c'est bon, parfait. J'utilise pas assez ça d'ailleurs. Ah, parce que je peux l'utiliser. Mais corrompu, lol. Je les ai corrompus avec de l'argent, eux. Les miens. Hop. Et wesh, tu meurs? Paf, trois particules déposées. Tchad. Il est mort. Je vais porter cette fleur. Ah, 13 secondes. Ça ne sert à rien. Ah, oh, ça la pète pas. C'est de la merde, ça. Il faudrait. Je lui pète le boule. Ah! Oh, je l'ai paré. Pas de chance. Fuck. Ah! Ah,
Ah ça je m'y attendais pas. Bon ça va, il fait n'importe quoi. Allez c'est parti. Tac. Tac. Ta gueule, voilà, parfait. Hop, hop, parfait, parfait. Là, il y a bien sûr qu'il récupère tout, je suis un connard. Hop. Qui d'autre a envie de faire quoi que ce soit là? Voilà. Merde, je vais pas réussir ce coup. Je voulais le louper pour que ça aille en bas. Allez, meurs. Et pas qu'un peu. Oh la morsure d'Arsonic, je crois que je l'avais pas eu depuis longtemps celle-là. Celle-là, je l'avais supprimée alors que je pensais pouvoir la remettre. Enfin, la refaire. J'avais terminé la campagne de Revenant avec. Enfin, Revenant, de Renégat avec. Aïe. Ça m'a touché, ça? Eh ben, dis donc. Parfait. Dépôt des particules. Moi j'aime bien. Hein. J'aime bien quand les gens font le travail de ramasser les ordures à ma place. Hein. Là comme vous pouvez le voir, là cette fois-ci je ne prends pas de risque. Je suis réformé. Mais toi t'es recherché, j'aime pas ce que tu fous là. Allez c'est parti. Ah, oh fuck. Je sais pas ce qui m'a explosé le cul mais ok. Allez. Toi. Attendez, j'ai une particule. Allez tiens. Parfait. Hop. Bon, c'est à moi. Non, je sais pas, c'est pas moi, pas de chance. Tac. Et moi la ruche, sans déconner. Qu'est-ce que c'est bien organisé. Ah, d'accord. Le saut est pas parti. Hop là. Mais quoi. Hop. Allez. Voilà. Bra. C'est juste pas assez à chaque fois. Oh, personne a de l'argent là. Allez. Yes. Hop. Oh sa mère, je me suis fait sépou. Allez c'est parti. Ah j'ai appuyé sur la barre la garde mais c'était pas suffisant. J'ai pas eu le temps, ça va. Putain. Mais je suis mort pour quoi encore. Ça n'a tellement aucun sens. Tout le monde s'était déjà barré. Et j'avais la main sur la garde encore. Mais what? Pourquoi il y a tout qui explose, bordel? On a rien, on est d'accord. Ok, on a tué une marionnette de Savatoon. Déjà pas mal. La lumière calcifique, c'est pas ça du coup. Navigateur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hmm.
À chaque fois, c'est la réponse, elle va encore être toute conne et. Je vais encore dire c'est de la merde. Juste parce que j'ai pas trouvé. Écoutez, on va chercher ce qu'est le navigateur. On est bien sûr, on est bien d'accord que c'est ça. Ouais, c'est ça, du navigateur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Alors. Ça n'a pas l'air d'être ça. Ou on se tue plus la merde. Alors. Ça c'est campement du navigateur, ça c'est la zone morte européenne, mais c'est pas du tout ce que je veux. Hein? Bref. Attendez. Attends, c'est ça? Attendez, quoi? C'est ça là? C'est ça là qui est censé me dire. Donc là, vous allez me dire que là, il y a un truc là qui. À 20 mètres là? C'est quoi? Oh non, me dis pas que c'est parce que ça détecte des coffres et tout. Hein. Ah bah, c'est ça. Ok, c'est ça. Parfait. Et bah, c'est parti pour courir très très vite. Alors. Allez, 71 mètres là-bas. Ah bah, je suis habitué parce que je suis déjà allé. J'ai déjà fait ça dans le. Sur la lune, mais sans l'aide du navigateur. Donc bon, écoutez. Alors il est où? Ah, il est derrière encore là. Parfait. Alors, suivant. Il va falloir aller sur les 3 maps. Les 4. Écoutez, c'est pas, hein, il va falloir y aller vite. Je vais OBS vite fait. On a 37 minutes. Allez. On va prendre encore deux navigateurs et puis enfin deux navigateurs, deux lumières classifiées. Et après on va se donner rendez-vous la prochaine fois. Je pense que je vais pas faire cette je vais pas faire les marionnettes de Savatoon de ces morts parce que il y en a 15 hein, et c'est chiant. Donc je vais pas les faire en VOD. Par contre, je vais certainement les faire off-stream et comme ça on sera prêt la prochaine fois. Alors on va aller plus loin parce que je crois qu'il n'y a rien ici. Tac. Honnêtement, ça va vachement mieux maintenant. Hein. Putain, depuis que j'ai désactivé l'aperçu sur OBS et que je regarde pas un stream en même temps. Alors, là-bas. Parfait. Ils ont pu avoir un icône particulier. Hein. Quand tu vois ça, tu sais pas que c'est une lumière calcifiée. Alors. Ouais, c'est par là. Ça, c'est la gueule de quoi? Ah, c'est même pas un spectre en fait, j'ai cru que c'était un spectre au début, mais non, c'est. C'est dégueulasse. Ok, il y en a deux là, bon bah écoutez, on va y aller alors. S'il en reste deux. Il m'a pas vu. De toute façon, c'est quoi? T'es un capitaine, t'es pas une marionnette. Fuck les marionnettes. Moi, je regarde juste si t'es une marionnette ou pas. Putain. Vous êtes beaucoup, messieurs, dames. Ok. Ah, si je saute, ça nique pas mon momentum. C'est où? C'est derrière? Ouais, parfait. Merde. Ok, et le reste il est. Oh, est-ce que je peux passer par là? Non. Ah, et en plus c'est un mur et tout, carrément. C'est. Vraiment, on te dit non, c'est mort. Je sais que tu veux essayer, mais. C'est... Ah bah tiens! En parlant de marionnettes de Savatoon! Allez, viens là. Parfait. Bah, ça fait deux. Ça fait deux, messieurs, dames. Sur 15. Vous vous doutez bien qu'on va pas tout faire. Ah, bonjour, messieurs.
Et je suis esclave. Et consort. Et compagnie, si je puis me permettre. Pas le DJ, bien sûr. Le DJ. Le producer. Le music producer. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres, là, vite fait? Ouais, non, c'est chiant. Là, il y a des... Ouais, serviteurs actionnaires. Bon, ils payent les impôts, quoi. Attendez, il y a autre chose? Non. Bon, on va s'arrêter là. Je vais mettre dans un endroit un peu plus calme, parce que, bon, voilà. Ok. Je vérifie qu'il n'y a rien, pardon, sur cette route. Ok. On va s'arrêter là, messieurs, dames, sous ce bâtiment énorme et énormément infecté. Et on se donne rendez-vous dès que je dispose de tout ce qui est non nécessaire pour continuer les quêtes. C'était Oscur. Salut!